Good morning, good afternoon, and good Bonjour, bon après-midi et bonsoir à chacun qui se rallie à nous sur cette séance des risques de changement climatique sur la santé. C'est notre dernière séance du cours panaméricain. Je suis Peter Perry, je travaille à Health Canada. Et je sais que cela sera une séance très intéressante et très enthousiasmante. Alors, j'ai un petit peu de problème pour afficher mes diapositives, dit Peter. Donc, vous avez accès à l'interprétation en direct pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois en anglais, français, espagnol. Vous devez utiliser le bouton dans le cercle en bas de l'écran, cliquer sur Interprétation et choisir votre langue. Comme je l'ai dit, il s'agit de notre dernière séance du cours, la séance 9. Et nous attendons avec impatience les exposés. Il s'agit de communiquer efficacement les risques liés au changement climatique aux parties prenantes et au public. Nous avons des intervenants experts aujourd'hui et c'est une excellente occasion d'élaborer des systèmes de santé résilients au changement climatique avec une communication éclairée et bien planifiée. Je suis donc heureux de cette séance d'aujourd'hui. Alors, pour ceux qui désirent obtenir un certificat, votre présence est enregistrée automatiquement lorsque vous vous connectez, donc pas besoin de remplir de formulaire. La séance durera 90 minutes et se terminera par une section de questions et réponses. Saisissez vos questions dans les questions et réponses en bas de la fonction Zoom. Les séances seront enregistrées, publiées sur le site web dans les 24 heures. Et les diapositives des présentations principales peuvent être téléchargées sur le site web du cours. Je pense que nous donnerons d'ailleurs le lien dans la boîte de dialogue. Je vais vous présenter nos présentateurs, le docteur Edouard Maybach, professeur université, directeur du Centre de communication sur le changement climatique à l'Université George Mason. Sa recherche éclaire la compréhension publique du changement climatique et les stratégies pour l'améliorer. Il a assumé les fonctions antérieurement de directeur national de l'Institut national du cancer, directeur mondial du marketing social à Porter Novelli et il est un membre de l'Académie américaine pour le progrès de la science et un membre de l'Académie nationale de la médecine. Il va maintenant nous parler du changement climatique et de la santé. Et nous allons également écouter Donna Atkinson et Roberta Stout. Elles ont travaillé ensemble depuis 2014 sur plusieurs projets au Centre collaboratif pour la santé indigène et sur un rapport. Elles ont des... diplôme de Canada. Elles ont toutes les deux travaillé dans le domaine de la santé autochtone pour plus de 20 ans. Ensuite, nous écouterons Carolina Portaluppi Castro qui nous parleront des dangers pour la santé. Elle vient de l'Équateur. Elle a fait des études sur l'éducation, elle a une maîtrise en administration publique et elle est professeure d'université et elle enseigne également à l'Université Simón Bolívar à Quito. Elle connaît bien le domaine de politique de la réduction des risques de catastrophes naturelles. Parmi d'autres activités, elle était un membre de l'équipe d'évaluation des effets
de la pandémie en Équateur et appuyer la vice-présidence de la République pour les actions d'atténuation pendant la pandémie. Et je suis heureux de vous dire que le ministère de la Santé provinciale de l'Argentine, le docteur Andrea Pivi, va nous parler du plan pour la province de Neuquén. C'est un médecin diplômé de l'Université de Buenos Aires, spécialisé en pédiatrie. Elle a également une maîtrise d'épidémiologie et un doctorat en gestion de la santé. Elle a également dirigé le projet Remedia Redes Uno et puis un projet avec un financement de la Banque mondiale. Elle a également assumé les fonctions de coordonnateur technique du projet du PNUD à Neuquén et elle est le directeur de la santé provinciale du ministère de la Santé depuis avril 2019. Elle est ministre de la Santé. Elle a mis en œuvre plusieurs politiques centrées sur la promotion de la santé et les premiers soins, entre autres le développement du plan de la santé provinciale 2019-2023 et le plan suivant de la santé 2019-2023. Elle a commencé la construction de l'hôpital Nord-Patagonique et la création du centre de santé interculturel. Je voudrais vous dire que je vous rejoins aujourd'hui d'Ottawa au Canada et c'est la terre des terres autochtones qui ont vécu sur ces terres depuis un temps immémorial. Je vais maintenant donner la parole à Ed pour qu'il nous fasse sa présentation. Ed, vous avez la parole. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Bonjour, buenos dias, hello. Je suis heureux de partager certaines idées, comment nous pouvons utiliser nos voix de confiance pour diffuser des messages efficaces sur le climat et la santé afin que les gens comprennent bien la pertinence dans le domaine de la santé du réchauffement planétaire. Alors, je vais vous poser des questions. Mettez votre réponse dans la boîte de dialogue. Et c'est une question que j'ai posée déjà à 40 000 personnes dans les sondages que nous menons aux États-Unis. Et avant de poser toute autre question, on dit aux personnes, quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit lorsque vous entendez le terme « réchauffement planétaire » ? Alors, dites-nous, quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit lorsque vous entendez ce terme « réchauffement planétaire » ? Nous ne sommes pas un public normal, nous sommes des professionnels de la santé très bien formés, très bien qu'affiliés. Nous savons que le changement climatique n'est pas le problème le plus aigu de la santé, mais je voudrais savoir que la première idée pour les Américains, cette première idée, c'est l'ours polaire, car il est utilisé dans les médias pour représenter le réchauffement climatique. L'une des douzaines de photos que l'on prend des ours polaires et qui ont l'air beaucoup moins solides que ce bel ours. Mais donc, l'ours polaire est au centre même de notre modèle mental, ce que l'on pense du réchauffement climatique. Une autre référence en réponse à cette question porte sur la science. Qu'il s'agisse d'une représentation de cette courbe ou d'autres références à la science et aux hommes scientifiques. C'est la chose la plus importante après l'ours. C'est intéressant, mais ce n'est pas toujours personnellement pertinent pour les gens. Donc, lorsque l'on nous parle des ours ou la courbe de tuerie et de mort,
C'est une représentation assez étroite de ce qu'est en fait le réchauffement climatique. La référence, en troisième lieu, c'est la référence à la politique ou aux hommes politiques. Vous ne reconnaissez peut-être pas M. Al Gore, ancien vice-président des États-Unis, qui a fait une campagne ces 20 ou 30 dernières années constamment pour éveiller les citoyens des États-Unis aux réalités du réchauffement climatique. Démocrates, libéraux, lorsqu'ils parlent d'Al Gore, la première chose à laquelle ils pensent est une bonne chose. Lorsque les conservateurs pensent à Al Gore, ils disent non, cela ne marche pas, ils ne l'aiment pas, ils n'ont pas confiance en lui. Et lorsqu'on dit c'est la première personne qui vient à l'esprit, c'est un signe très clair que l'on a beaucoup de travail à faire pour les aider à comprendre la pertinence très claire du changement climatique. En plus, on commence à poser cette question depuis 2008, il y a maintenant 15 ans. Il y a 15 ans, on parlait peu des phénomènes climatiques extrêmes, mais avec la fréquence de plus en plus élevée, on en entend parler à l'issue surtout du travail que fait mon équipe avec la météo à la télévision. Nous appuyons les présentateurs de météo comme des voix locales pour éduquer les gens sur la façon dont le changement climatique change déjà les conditions dans leur communauté, dans leur ville. Et nous envoyons la preuve avec les réponses des gens. Mais même maintenant, cela devient une réponse fréquente, mais c'est encore une minorité. On entend beaucoup plus parler des ours polaires, de la science et des hommes politiques. Ce que l'on entend presque jamais en réponse à cette question ouverte, c'est une référence à la santé de nos enfants, notre propre santé, la santé de nos parents, des membres de la communauté ou même des personnes de notre nation. Et ceci représente une excellente occasion pour nous, en tant que messagers de confiance dans notre communauté, dans notre nation, parce que les informations dont nous disposons, que l'on apprend dans ce cours et ailleurs, sont ce que montre la recherche. En fait, ceci est le récit le plus important qui peut être partagé si on veut que les gens comprennent la pertinence personnelle pour eux du changement climatique, ce dont ils doivent se préoccuper et le domaine auquel ils doivent participer en trouvant des solutions ou en travaillant de concert avec les membres de la communauté pour trouver des solutions communautaires. Ma spécialité dans le domaine de la santé publique, j'y travaille depuis 42 ans en tant qu'homme de science de la communication en matière de la santé depuis que j'y travaille. Une chose que j'ai appris en toute certitude, plus que toute autre chose, c'est qu'il y a vraiment une formule pour des campagnes de communication efficaces dans le domaine de la santé. Toute campagne de communication de messages clairs a toujours réalisé cette formule. Des messages simples et clairs, répétés souvent par des personnes de confiance, répétés au grand public ou à des audiences plus scientifiques, les décideurs, et ceci donc, ces messages doivent être délivrés par des personnes de confiance et bienveillance. Il faut donc des messages simples et clairs, c'est essentiel, les gens n'aiment pas la complexité. Et lorsqu'on donne des informations complexes avec le public, ils ne suivent pas. Les répétitions du message sont également très importantes, car cela expose maintes fois les personnes, cela les conduit à penser aux informations, à se les représenter. Et le fait que les informations émanent de personnes de confiance et bienveillantes, c'est certainement l'élément le plus important de cette formule.
car lorsque les membres de notre public n'ont pas confiance en nous, n'ont pas confiance aux messagers sur les informations que l'on essaie de partager, alors il y a toute une série de processus psychologiques pour s'éloigner de ces informations et ne pas en tenir compte. Et ils ne l'incorporent pas dans leur propre compréhension du monde. Notre recherche aux États-Unis nous a montré qu'il y a en fait trois facteurs clés ou vérités clés du réchauffement climatique qui sont tout à fait déterminantes dans le degré de la préoccupation des gens vis-à-vis du réchauffement climatique et qui les conduit à prendre des mesures. C'est comprendre ce qui est réel, le réchauffement a lieu, c'est nous, l'activité humaine est la principale cause de ce réchauffement. Les experts sont d'accord, plus de 97% des experts en sont convaincus. C'est mauvais. Le réchauffement climatique a des conséquences néfastes et je vous le dirai, lorsque les gens comprennent les effets néfastes, eh bien cela les incite à travailler. L'espoir, il y a des actions que l'on peut entreprendre qui feront une différence pour nos frères et sœurs qui sont préoccupés, mais qui en concluent qu'ils n'y ont rien à faire. Le cheval a quitté l'écurie et on ne peut pas le rappeler. Et les gens ne prennent pas de mesures car ils n'ont pas d'espoir. Et puis ensuite, autre soin. Comme nous, 7 sur 10 personnes aux États-Unis sont préoccupées par le réchauffement climatique, mais 4 sur 10 pensent que d'autres personnes sont arrivées à la même conclusion et sont également préoccupées. Donc, pour la plupart des gens aux États-Unis, on peut voir qu'ils sont préoccupés par les changements climatiques et la moitié d'entre eux pensent qu'ils sont la minorité. Les chercheurs vous diront que croire qu'être dans la minorité ne va pas vous aider et cela ne conduit pas à mener des actions. Donc, ce sont les 6 vérités qui sont associées au fait que les personnes retroussent leurs manches pour travailler et s'impliquent pour trouver des solutions. Ceci donc, des 6 simples, clairs messages. C'est vrai, c'est nous. Les experts sont d'accord. C'est mauvais. L'espoir, vous n'êtes pas seul. D'autres personnes se préoccupent dans la mesure où l'on peut faire écouter nos voix de confiance pour diffuser des messages. Et avec ces 6 vérités, nous, experts de la santé, on pourra aider les membres de notre communauté, de notre nation et nos frères et sœurs de par le monde à être plus prêts à participer aux solutions en matière de climat. Ceci me conduit à la deuxième des 3 parties de cette formule. Je ne peux pas souligner trop que la répétition du message est importante. Sur la base des données, il y a de nouveaux groupes qui utilisent les médias sociaux et une communication basée sur la web pour impliquer les Américains et se faire les champions de l'action climatique. Et ce que montre la recherche nous montre dans quelle mesure la répétition des messages est importante. Sur la base des données, on estime que la fréquence véritable des gens qui écoutent les messages pour qu'ils deviennent des champions du climat climatique est au moins 80 fois par mois. Cela peut vous sembler absurde, mais il faut le mettre dans leur contexte, quel que soit votre pays.
il y a des problèmes qui sont mentionnés dans les nouvelles 20 fois par semaine. Ce n'est pas nous, il faut travailler plus pour que la question du changement climatique fasse partie des nouvelles, du dialogue, de la communication d'une personne à l'autre. Car plus souvent les gens écoutent ce message, par semaine ou par mois, il est plus probable qu'ils deviendront des partisans actifs des mesures dans le domaine du changement climatique. Dernière composante de cette formule, message sont les plus efficaces lorsqu'ils sont délivrés par des voix de confiance. Il s'agit de nous. Nous, les professionnels de la santé, nous sommes ces voix bienveillantes et de confiance. Ce sont des données de l'année dernière, 2022, d'un sondage fait par une société auprès d'un certain nombre de pays. Ah oui, 28 pays de tous les continents, docteurs en premier lieu. Parfois aussi, les questions sont posées aux pharmaciens et aux infirmières. Nous sommes tous en haut des professionnels de confiance. Donc, c'est merveilleux. Nous occupons une position de privilège et nous avons gagné cette confiance. Et cela a créé des occasions pour nous afin de devenir ces voix de confiance et bienveillantes, afin de s'assurer que les membres de notre population disposent de toutes les données pertinentes pour bien comprendre les risques les plus importants pour leur propre santé, pour aider les membres de leur famille et leurs citoyens dans le domaine du changement climatique. Ce sont des données qui viennent de mes collègues à Yale et à George Mason. Nous avons des données de notre sondage du printemps 2022. Dans quelle mesure confiez-vous ou vous méfiez-vous des éléments suivants comme source d'information sur le réchauffement climatique? Alors, aux États-Unis, le changement climatique est une question hautement polarisée, un facteur de polarisation qui dépend de l'affiliation politique des gens. Ce que je vous montre ici, ce n'est pas seulement la partie gauche pour tous les électeurs inscrits. La première source de confiance, c'est leur docteur de soins primaires, l'AMA, ensuite leur médecin de soins primaires et la American Medical Association. Ensuite, passez maintenant à la colonne de droite et vous voyez que parmi les conservateurs, même les républicains modérés et libéraux, c'est un public difficile à convaincre et en fait, leur principale source de confiance, ce sont leurs médecins, autant que leurs amis et leurs familles, qui sont en général aussi des républicains conservateurs et qui ne s'y connaissent pas beaucoup en réchauffement climatique. Mais en fait, c'est une procuration qui donne à leurs médecins de communiquer la pertinence du changement climatique au groupe d'Américains qui sont le plus important pour nous à atteindre, plus que par le passé. Tout commence donc et tout confirme ce que je pense. Nous, en tant que professionnels de la santé, nous avons un rôle absolument unique à jouer. Nous jouissons de la confiance des gens, de tous les électeurs, notamment parmi les plus difficiles à convaincre et à atteindre. Or, que peut-on partager avec eux? Le fait que le changement climatique porte déjà préjudice aux gens de notre nation par différentes voies. La pollution de l'air, un climat plus chaud, vagues de chaleur extrêmes, phénomènes climatiques extrêmes, un climat violent et dangereux qui blesse et tue des gens par trois formes différentes, les maladies infectieuses,
les maladies à transmission de vecteurs, les maladies hydriques, les maladies d'origine alimentaire, la faim et la malnutrition et les dommages à la santé mentale. Donc, nous voyons que les phénomènes climatiques extrêmes produisent des dégâts sur les récoltes. Et puis, la santé mentale. Il y a des personnes dont la maison est détruite, qui doivent évacuer leur maison à la suite de phénomènes climatiques, et cela leur produira très certainement des troubles mentaux. Et personnes vivent aussi avec une dépression chronique, la dépression, une anxiété extrême. Et donc, nos enfants, nos petits-enfants vivront une vie beaucoup moins saine, beaucoup moins sûre. Et ensuite, le premier de ces impacts sur la pollution de l'air, c'est qu'il y a 8,7 millions de morts prématurées de la pollution de l'air, de brûler des carburants plus que par la tabagie. Donc, depuis cette période, je pensais que le tabagie était l'ennemi numéro un, mais la combustion des carburants fossiles sont plus puissants et affectent beaucoup plus la santé, beaucoup plus que la tabagie. Nous avons mené bien des recherches sur la façon de communiquer, que nous savons les dégâts de réchauffement climatique sur la santé. En 2018, nous avons eu des déclarations sur 8 voies de nuisance à la santé et nous avons résumé le chapitre sur le changement climatique et nous avons décrit pour chacun des 8 impacts, environ en 800 mots, ce qui se passe pour notre climat, comment il affecte notre santé, vagues de chaleur, phénomènes climatiques extrêmes et qui en subira les effets ou les retombées. En fait, il s'agit des bébés, des enfants, des femmes enceintes, du troisième âge, des gens souffrant de maladies chroniques, les communautés de couleur et à faible revenu et les travailleurs en extérieur. Et donc, nous avons lu ces essais de 800 mots dans plusieurs assises. Et c'est important, même pour vous, cela permet d'évaluer ces 8 facteurs, ces 8 essais, bref. Et après les avoir lus, cela nous a conduit à nous poser et à poser de nouvelles questions. Et ce que l'on a appris, c'est qu'en lisant ces essais de 800 mots, de courtes informations, cela a augmenté l'implication des gens dans ce domaine, ainsi que leur implication efficace. Cela montre bien qu'ils étaient préoccupés par le changement climatique. Et d'après le sondage que je vous ai montré, les gens connaissent bien que ceci va faire augmenter l'implication des gens modérés parmi les électeurs. Donc, nous avons une occasion unique d'aider les gens qui se convainquent sur le changement climatique à en comprendre la pertinence ou le bien fondé avant de s'engager. À droite, vous avez la couverture de Medical Alert Report, un rapport sur une alerte médicale. Évidemment,
Ceci fait partie de la conversation et c'est la première moitié. La deuxième moitié, ce sont les avantages de mettre en œuvre des solutions climatiques. Five policy solution pathways that if we take them, they are not only good for our climate, they are also good for our health. The use of clean renewable energy and reducing energy waste is the first. Favoring climate smart foods, i.e. foods closer towards plants and further away from animals. Those are climate smart foods, and the degree to which we favor them and climate smart farms and food systems, it's good for our health, it's good for our climate. The third pathway is supporting clean and active transportation, something that we as health professionals are already doing, but climate benefits give us yet another reason to do so. The fourth pathway is improvements that we can make to our buildings and our homes so that we're using less electricity, that we're putting less fossil fuel air pollution into our homes, for example, in the form of cooking using methane. And then finally, we can make improvements to our community environments by developing green infrastructure that ultimately makes our communities not only nicer places to live, but also healthier places to live and more climate smart communities. The benefits of talking about these policy solution pathways is while the climate benefits of these pathways accrue over many decades, the health benefits accrue almost immediately. The climate benefits accrue a little bit worldwide. The community benefits, the health benefits accrue in our community, in whatever community implements these solutions, these five policy pathway solutions. So by talking about the health benefits of climate actions, we're bringing the benefits home into people's present lives and we're bringing it into their communities, which is something that no other voice in the climate conversation can do nearly as effectively as we can. We've conducted research that shows that both talking about the health impacts and talking about the policy solutions have a profound impact on increasing people's likelihood to get involved in supporting collective action. And by collective action, I mean contacting their elected officials to advocate for smart climate and health policies. We've also learned that it's helpful to activate or affirm positive social norms that if you feel like you are alone, you're the only one who cares, it's not true. The most people care, but not enough of us are taking action. And many of us are taking action. Either way that we've tested the affirmation of helpful social norms, it helps to activate people. Of these three types of information, the most important, the one that most reliably leads to activating people is the policy solution information, the focus on solutions. But all three of these types of information contribute to activating people, showing the health impacts, identifying helpful policy solutions, and affirming helpful social norms. And again, as with our prior research, this is equally true for conservatives as for liberals. One final element to what I call the climate and health narrative. And that final element is, well, if these things are so good, why haven't we done them already? That's a really reasonable question for people to ask, or at least to think about. And the answer is, we haven't done these things already because we have some very powerful opponents who do not want to see us implement smart public policies along these five policy solutions pathways that I talked about. So in our most recent research, which isn't yet published, but hopefully will soon be, we took the climate and health narrative, the explaining the human health impacts of climate change, explaining the human health benefits of climate solutions, affirming a positive social norm, and we tested that with and without directly calling out fossil fuel CEOs and their lobbyists, or some politicians, or fossil fuel CEOs and their lobbyists and the politicians who are in their back pockets. We literally added a very short paragraph that called out the opponents. And what we learned is that by adding this fourth element,
to the climate and health narrative, it makes that narrative even more effective than not calling out the opponents. Some health professionals have told me they are uncomfortable doing that. They don't want to poke the bear, and that's okay. Anyone who doesn't want to point out the opposition, because they are a powerful, well-organized opposition, you don't have to. But I want you all to know that if you're willing... Comme il y a beaucoup d'opposition, eh bien, vous agirez de façon plus efficace sur le plan communicationnel en informant l'ensemble de votre population. C'est ainsi que je peux conclure en disant que nous avons un rôle unique à jouer en développant le discours, en introduisant tout ce qui concerne l'information pour polariser l'attention, pour rassembler les populations autour de cette thématique, leur faire prendre conscience de nos problèmes, de continuer à alimenter la discussion afin de formuler des solutions pragmatiques. Et quelques éléments rapides. D'abord, avec quelques collègues, nous avons commencé à considérer qu'il s'agit donc d'un déterminant, ce changement climatique, sur le plan sanitaire, d'abord évident. Avant, on ne parlait pas de cela, on ne parlait pas de déterminant sur le plan sanitaire, mais au cours des 20 dernières années, on en parle de plus en plus, on a focalisé notre travail là-dessus et on insiste sur le caractère déterminant de cet aspect du changement climatique. Et nous devons maintenant parler des déterminants écologiques parce qu'un climat stable a un effet direct sur la vie en société, sur la santé publique, sur le fonctionnement de nos systèmes sanitaires et en particulier lorsqu'il s'agit d'un moment d'épisode extrême. Les populations subissent les effets néfastes du climat et c'est maintenant et c'est à ces moments-là leur capacité diminuée et qu'ils ont besoin de réponses, de réactions. Et finalement, il nous faut comprendre que tout cela a un impact globalement au niveau individuel et au niveau collectif. Donc, c'est comme ça que je considère que je dois aujourd'hui organiser mon travail. Je reconnais que cette problématique, cette thématique est fait partie prenante, partie intégrante de notre travail et je dois travailler en aidant ma communauté, mon pays à travailler en faveur de la décarbonation et contribuer chacun à notre niveau à améliorer la stabilisation de notre climat, ce qui est l'objectif complet de l'humanité aujourd'hui. Et si vous voulez vous joindre à notre travail, à nos efforts, vous pouvez le faire. Bien sûr, vous pouvez scanner ce code QR et vous pouvez également devenir à votre tour un champion de la défense climatique, de l'action climatique et de l'intervention en faveur de la résilience de nos systèmes. Merci infiniment, Ed, de cette présentation, de nous avoir rappelé toutes ces actions si importantes aux différents niveaux et pour aider, bien sûr, les décideurs politique. Et cela jette les bases des présentations qui vont suivre. Et nous allons maintenant écouter Donna, qui ne peut pas être avec nous. Et nous avons donc un enregistrement qu'elle nous a fait parvenir et que nous allons écouter maintenant. Alors, Ellie, est-ce que nous pouvons mettre la vidéo? Alors, bienvenue à ce cours sur les systèmes de santé résilients dans les Amériques. Et je vous parlais de travail que nous faisons avec les communautés autochtones au Canada. Je suis Roberta Stott et je travaille avec Donna Atkins
Hamilton, dans le Manitoba. Et aujourd'hui, nous allons vous parler du travail que nous faisons. Je suis Donna Atkinson, je suis chercheuse. Et je vous parle aujourd'hui de nos territoires des Premières Nations. Alors, maintenant, nous avons dit où nous habitions. Je vais rentrer dans le vif du sujet, vous parler de nos terres. Alors, ce sont les centres communautaires établis en 2005 avec le Centre de santé au Canada. Nous sommes centrés sur différentes thématiques et nous travaillons à la conservation, préservation de la santé des Premières Nations Inuits Métis et nous privilégions une approche équitable. Nous traduisons les connaissances, nous échangeons les connaissances et nous travaillons bien sûr à promouvoir l'équité dans un format accessible pour identifier les failles ou les lacunes en matière de connaissances et pour développer des réseaux concernant l'ensemble des systèmes sanitaires de santé publique. Alors, aujourd'hui, nous avons donc commencé à travailler en 2018 pour participer à l'évaluation climatique dans l'ensemble du Canada et orienter les actions. Et nous avons ce rapport émis en 2022. Nous avons 10 chapitres sur les liens avec la santé, les dangers naturels, la santé mentale, le bien-être, la qualité de l'air, les maladies infectieuses, la qualité de l'eau, la quantité, la sécurité hydrique, la sécurité alimentaire, l'équité sanitaire, l'adaptation au système et à l'évolution du climat et la santé des populations autochtones. Et en particulier Inuit, Métis et autres, dans ce contexte de changement climatique. Et il faut comprendre que les populations sur lesquelles nous travaillons sont particulières et selon notre ressemblant de 2021, c'est un segment de la population qui démographiquement augmente énormément. Et nous avons bien sûr beaucoup de diversité, langues, coutumes, cultures, etc. Alors, dans notre chapitre, nous avons mené des recherches, étudié différents articles, publications, et en particulier au cours des 10 dernières années. Alors, une des principaux défis et travail sur ce changement climatique est, en fait, nous ne sommes pas des expertes ou des scientifiques du climat, mais bien de la santé. Et au Canada, il y a d'énormes lacunes en termes de connaissances et des domaines étudiés. Pour les Premières Nations, nous avons travaillé d'abord sur les déterminants de la santé, les manques d'équité, les inégalités. Nous avons également analysé la relation avec la terre, leurs connaissances coutumières, les recherches d'atténuation, adaptation et des réponses au niveau des politiques. Nous avons identifié les lacunes en matière de connaissances. Nous avons développé 6 messages clés dans notre chapitre. On sait que le climat affecte tout le monde, mais la distribution de ces impacts est différenciée. On sait également que les Premières Nations sont particulièrement affectées alors qu'elle ne contribue que très faiblement aux émissions et à la pollution en général. Elles dépendent de leurs terres, de leurs ressources en eau et ressources naturelles.
pour vivre, pour s'alimenter, pour se soigner. Elles, donc, ces populations vivent dans des zones territoriales délimitées et elles subissent de façon inégalitaire et disproportionnée les effets du climat, avec des taux de mortalité infantile, une exposition à certains effets néfastes, à certaines maladies. Autre message, c'est que tout cela est interconnecté, niveau sécurité alimentaire de l'eau, santé personnelle, santé mentale, santé physique, tout cela se produit d'un bout à l'autre du pays, de la côte est à la côte ouest. Et bien sûr, tout le monde, les hommes, les femmes, les enfants, les personnes d'identité de genre différentes. Et donc, il faut identifier les besoins spécifiques, les nécessités spécifiques de ces populations. Donc, nous avons là un tableau qui nous montre un résumé des causes liées au climat et aussi les effets potentiels. Alors, pour revenir au message clé, il faut observer et adapter les environnements changeants au cours des millénaires. Les systèmes de connaissances autochtones sont essentiels pour s'adapter au changement climatique et ils permettent aussi de conduire des actions qui soient distinctes et aussi respectueuses de leurs droits. Et dernier message, les Inuits, les Premières Nations disposent de droits sur leur terre et il faut absolument les respecter et veiller à ce qu'ils puissent continuer leur mode de vie traditionnel et que les politiques reconnaissent cela et intègrent ces données. Il nous faut les aider à identifier leur exposition particulière, les solutions à apporter, en particulier au niveau des stratégies d'adaptation et d'atténuation des effets du climat. Alors, rapidement, quelques lacunes en matière de connaissances. Et donc, les recherches nous permettent de combler ces lacunes. Par exemple, sur les lieux géographiques, leur diversité, les aspects d'intersectionnalité, les données longitudinales désagrégées, les impacts à long terme, les facteurs de protection de résilience et également les initiatives en matière d'adaptation et leur efficacité. Les Premières Nations dans les provinces atlantiques sont particulièrement éloignées et nous avons également des populations indigènes qui vivent dans les zones urbaines. Nous étudions en particulier les populations infantiles de jeunes. Nous voyons également de quelle façon elles sont impactées au niveau alimentaire, infrastructure, sécurité personnelle, santé et comment tout l'ensemble de leur culture est impacté. Donc, dans nos recherches, nous incorporons bien sûr la dimension climatique, tous ces déterminants dont nous avons parlé. Et nous avons également différentes recherches sur les initiatives d'adaptation, leur efficacité, comment ces populations autochtones les utilisent. Alors, dans notre chapitre, nous avons beaucoup appris, essayé de couvrir le plus de domaines possibles, de communiquer, de permettre d'écouter les voix des populations autochtones. Et nous avons une série de podcasts
qui sont accessibles sur le site web du NCCH. Et nous en avons quelques-uns, spécialement le 17, le 18, sur le changement climatique. Et nous avons Spencer Greening qui nous a accordé une interview et qui nous apprend comment s'adapter, comment privilégier ou préserver la Terre et comment nous faisons partie d'un écosystème plus large avec différentes espèces, différentes créatures, êtres vivants. Nous avons également émis différents webinaires et nous avons traduit tout ce matériel, ce support. Nous insistons sur l'aspect sécuritaire, sur l'aspect santé, sécurité alimentaire, sécurité de l'eau. En voici les illustrations. Nous avons également préparé des infographies qui sont un bon outil pour diffuser différentes informations, informer les populations de façon pragmatique, de façon directe. Tout ce qui reprend un petit peu les connaissances de nos populations autochtones au Canada et leur contribution à la préservation des ressources naturelles. En particulier pour tous ceux et celles qui n'ont pas le temps de lire tous ces rapports, nous avons des fiches informatives condensées, résumées. Par exemple, là, vous en voyez quelques-uns sur les impacts sur la santé, etc. Nous avons également réuni différentes bonnes pratiques pour la communication des risques liés au climat. Et il faut donc s'assurer que l'on puisse toucher tous les publics possibles, que l'on puisse communiquer au travers de différents formats multimédia, que l'on puisse écouter la voix et l'expérience de ceux qui sont en première ligne, qui sont concernés. Et nous voulons et nous recherchons bien sûr à écouter les représentants des populations autochtones et nous voulons nous focaliser, nous centrer sur les forces des connaissances et du savoir de ces populations locales. Voilà ici une des publications de notre Centre de collaboration nationale pour la santé des populations autochtones et notre lien Google de documents. Et merci, n'hésitez pas à nous contacter. Voici notre adresse. Et s'il y a des questions et des réponses, nous espérons pouvoir nous connecter. Merci de votre attention. Merci de... J'ai eu l'avantage de travailler avec Donna et Roberta sur l'évaluation nationale et j'ai beaucoup appris du travail que j'ai pu mener avec elle. Nous allons maintenant écouter Carolina Portaluppi qui va tout de suite commencer sa présentation. Hola, buenos días. Bonjour à toutes et à tous. Je vous salue depuis l'Équateur et je remercie l'invitation qui m'a été faite. Alors aujourd'hui, on m'a demandé de vous parler de différents thèmes et de mon expérience sur l'importance en particulier de l'éducommunication dans la gestion intégrale des risques en partant d'un point de vue de santé publique face et dans le contexte climatique. Donc, je vais le faire en tant que membre de la communauté de gestionnaires des risques et catastrophes naturelles dans mon pays, l'Équateur et dans la région. Et en premier, j'aimerais insister sur les défis que pose le climat pour la santé mondiale,
depuis l'année 2020. L'OMS insiste beaucoup là-dessus. Ensuite, je vous parlerai de ce que je considère comme étant les principaux problèmes de la communication éducative pour la réduction des risques dans le contexte du changement climatique. En 2020, l'OMS en particulier a publié une liste des 13 principaux problèmes ou défis à relever au niveau mondial, en particulier les suivants. D'abord, la santé, pour placer cette thématique au sein du débat public, au sein des problèmes des crises, pour élargir l'accès aux médicaments, stopper les maladies infectieuses, se préparer pour prévenir et affronter les pandémies, assurer la santé, la sécurité alimentaire, investir dans les personnes qui sont en première ligne, qui défendent notre santé, les jeunes, utilisation des technologies, des développements des médicaments, la prise en charge médicale, l'information au grand public. Et en donc passant en revue tous ces grands défis listés par l'OMS, j'observe que il s'agit peut-être là d'un fil conducteur et qui pouvait m'aider pour justement ma présentation aujourd'hui. En particulier, ce dernier point qui est lié à la confiance du public. Comment gagner cette confiance? Et la question que je me pose, c'est qu'est-ce que cela suppose? Et là-dessus, je vous propose de débattre en prenant en compte l'importance de cela pour gagner la confiance du public. C'est essentiel pour réduire les conséquences des catastrophes et en particulier dans chacun des processus clés de gestion des catastrophes liés à la prévention, l'atténuation, à la préparation, à la réponse, aux interventions et ensuite la récupération, le relèvement post-crise. Également, la confiance du public était essentielle pour l'adoption de mesures d'adaptation face au changement climatique dans différents domaines ou secteurs. Ensuite, pour gagner cette confiance, il faut des outils. Et cette communication éducative, pourrait être un instrument tout à fait utile pour inspirer la confiance du public. C'est une activité inhérente de la nature humaine qui implique une interaction, une mise en commun de messages significatifs, l'utilisation de différents canaux et médias de communication, qui suppose aussi d'influencer le comportement des autres au niveau des organisations et des systèmes sociaux, ainsi informer tout autant les populations, former les populations également. Et cette éducommunication, comme on l'appelle, est une action dynamique, intersectorielle, interinstitutionnelle et interdisciplinaire, tout à la fois, qui est donc un pouvoir immense pour pouvoir aider à réduire les risques et à contrôler ces risques. Et maintenant, je vais vous présenter quelques-uns de ces défis que nous devons relever plus particulièrement. J'ai écouté attentivement mes collègues auparavant et parce qu'ils nous ont expliqué, ils nous ont parlé des différentes questions qui vont revenir ici dans mon propos. D'abord, les défis liés à cette éducation communicationnelle pour réduire les risques. Pendant la pandémie, beaucoup de personnes, communautés ont rejeté les vaccins par manque d'informations, justement. Et cela était lié au fait qu'il n'y avait pas de communication dans leur langue propre. Et donc, on a beaucoup insisté dans notre continent
pour pouvoir communiquer de façon plus efficace sur le contexte de la pandémie, en particulier auprès des populations indigènes et autochtones. Et on a vu l'effort de différents ministères de la Santé, du Pérou, d'autres pays de la région d'Amérique latine. Et ça a été donc une expérience assez réussie, en particulier dans mon pays, de la Confédération nationale des nationalités de l'Amazonie équatorienne qui a reçu l'appui d'une fondation Racine et qui a développé toute une campagne de prévention et de réponse dans les langues natives, les langues autochtones. Cela a eu tellement de succès qu'aujourd'hui, nous commençons un programme national pour justement renforcer la capacité des nationalités et peuples autochtones et leur capacité à réagir. On en a 28 ici en Équateur. Cette expérience et ce cas réussi propose d'adapter ces messages clés dans les langues autochtones, mais aussi l'utilisation de la technologie pour résoudre d'importants problèmes sociaux de la communauté. Un autre défi important est de communiquer sur la base de faits probants. Si un effort de l'UNICEF pour connaître des données en tant qu'élément essentiel pour bien se préparer et pour la protection, l'autoprotection même, mais aussi au niveau des ménages. L'Organisation mondiale de la santé a déjà lancé une alerte sur un phénomène qui est la surexposition d'informations qui peut être vraie ou fausse. Et le directeur de l'OMS, cet obstacle aux mesures peut produire des divisions dans le contexte de la pandémie. C'est ce que dit le directeur de l'OMS, que ces fausses nouvelles peuvent conduire à ce genre de résultats. L'étude a été menée au Brésil et on est parvenu à la conclusion que les six premiers mois de la pandémie à des prises de position politique, des informations sur le nombre de cas et de morts et sur les mesures de prévention et d'atténuation. Et les principaux nous donnaient des informations de la part de Facebook et de WhatsApp avec des contenus de texte, des vidéos, entre autres. Alors, l'un des principaux défis également nommé dans cette étude est que la santé publique peut être compromise par l'érosion de la confiance vis-à-vis des institutions publiques. La diapositive nous montre une déclaration d'alerte jaune dans un canton de la province de Chimborazo, en Équateur, en février 2023. Et la confiance envers les institutions publiques étant érodée et les populations n'ont pas cru à cette déclaration d'alerte jaune. Elle n'a pas évacué. Il y a eu une coulée de boue le dimanche 26 mars 23, c'est-à-dire un mois après la déclaration de l'alerte,
et il y a eu des décès. Et à présent, on a récupéré 35 corps et il y a encore 60 personnes qui sont portées disparues. Les travaux de recherche des corps dans ce secteur continuent. Un mois après ce phénomène. Si la méfiance érode la crédibilité des institutions publiques, au contraire, confiance aide à déterminer si les patients, les personnes, communauté utilisent les services de santé et s'ils écoutent les conseils des professionnels de la santé concernant leur santé et les risques qu'ils peuvent encourir. En Équateur, notamment dans ma ville, à Guayaquil, une ville qui a des niveaux élevés de pauvreté, d'inégalité structurelle, où le travail informel et le trait principal du travail, eh bien, pendant la pandémie, les contagions qui ont fauché la vie de milliers de personnes en quelques semaines, eh bien, ces contagions se sont produites notamment parce que les citoyens n'avaient pas confiance dans les informations qui leur étaient données. Et à cause de cette méfiance, ils ont mis leur santé en risque, mais aussi la santé de toute la ville et de tout le pays. Il y a eu de nombreux cas d'indiscipline, de non-respect des mesures de confinement obligatoire, distanciation sociale, car la confiance vis-à-vis des institutions publiques était érodée. Alors, au vu de tout ceci, il est fondamental de faire une alphabétisation scientifique, une éducation en matière de santé, une connaissance scientifique. Il est donc important de travailler pour que ces connaissances soient transmises sur la base de faits probants, mais il est aussi important que les producteurs de connaissances, de sciences, écoutent de plus en plus des communautés qu'ils desservent. Pendant toute cette période, nous avons vu que une grande partie des informations circulaient concernaient une gestion floue des informations, des données, de la production des connaissances. Et donc, comme le dit cette diapositive, il est important que les connaissances et la science puissent battre leur propre coût et réfléchissent pour éviter une influence négative sur la vie des personnes et sur celle des écosystèmes. Finalement, je voudrais évoquer le premier défi de l'Organisation mondiale de l'OMS pour cette décennie. Il porte sur le fait de placer la santé au cœur du débat climatique. La crise climatique doit être comprise également comme une crise de santé. Et en ce qui concerne les nouvelles qui accompagnent cette diapo, une entreprise que, comme la Shell, connaissait depuis les années 70, les impacts climatiques qu'elle avait, les impacts et les répercussions néfastes des combustibles fossiles. Et sur ce, je désire conclure en disant
que les deux communications doit tenir compte d'une éthique des soins, que l'on soit responsable des effets et des impacts de nos actions. Bernardo Toro, un philosophe colombien, dit que le soin constitue la catégorie centrale du nouveau paradigme de la civilisation et que le soin exerce une double fonction. Un, la prévention de dégâts futurs, et deux, sur la régénération ou la remise en état des dégâts passés. Il dit, où on prend soin, où nous disparaissons. Je souhaite vous remercier et j'espère que ces quelques réflexions vous serviront. Ce sont les réflexions d'une travailleuse des risques, des catastrophes naturelles et du redressement. Et j'espère que ceci est logique pour vous et contribue aux efforts pour utiliser l'éducommunication pour la prévention en matière de risques de catastrophes naturelles, surtout dans le domaine des services de santé et notamment dans le contexte actuel de changement climatique. Merci. Merci infiniment de cette présentation, Carolina. Merci de nous rappeler que la confiance et d'autres concepts sont importants. Je sais que vous avez trouvé un écho auprès de nombreux participants. Je le vois dans le chat. Et maintenant, c'est un plaisir d'inviter la ministre de la Santé provinciale de l'Argentine. Madame la ministre, vous avez la parole. Bien. Oui, nous vous voyons. Bonjour à toutes et à tous. C'est un honneur de pouvoir participer avec mon équipe et de vous parler de mesures que nous prenons à Neuquén. Premier lieu, je voudrais vous dire qu'au ministère de Santé de la province de Neuquén, nous travaillons depuis plusieurs années sur le lien entre la santé et le changement climatique. Le cadre d'agissement de tous nos projets au ministère est le plan provincial de santé 2019-2023. Et ici, nous avons un axe transversal qui est consacré à ce thème, axe 1, intitulé Bien-être intégré et santé environnementale, avec une ligne d'action spécifique, la santé sur le territoire. Et ainsi, avec ces pistes de travail, nous sommes présents dans toute la province au niveau local et avec les communautés. Nous comprenons que le changement climatique et la santé doivent être travaillés plus grande partie possible des travailleurs et des parties prenantes. Ce plan provincial de santé a été fait en 2019. Nous avons maintenant une extension de ce plan jusqu'à 2030 et l'axe des politiques est promotion de la santé. Et la santé doit être abordée, à notre avis, sous plusieurs aspects qui parfois échappent au ministère de la Santé. C'est pourquoi nous avons essayé et de garder ce principe de promotion de la santé, axe de toutes les actions au gouvernement provincial, et que le ministère tienne compte des impacts positifs sur la santé de la communauté. Et un autre principe dans ce domaine de changement climatique porte le contexte une santé. La santé humaine est liée à la santé animale. Et la prévention et la lutte contre les maladies doivent être abordées dans une perspective holistique et interdisciplinaire. Ces deux principes réunis sur le territoire et dans les communautés nous ont montré que tout travail dans cette thématique
problématique très complexe doit lier santé et climat. Nous avons également un programme municipalité saine avec des actions ministérielles et au niveau provincial pour faire face à la crise climatique. Dans ce programme, on a partagé la vision de la promotion de la santé et de une santé, One Health, et nous proposons d'incorporer la problématique de la santé environnementale dans les programmes des collectivités territoriales de façon intersectorielle. On veut donc avoir des politiques de santé de façon conjointe, non seulement au niveau de la santé, mais au niveau national. Pour renforcer des réseaux régionaux sur des problèmes communs pour pouvoir changer des apprentissages, des protocoles et des bonnes pratiques. Tout cela donc au niveau du ministère de la Santé de la province. Et c'est donc notre stratégie fondamentale pour activer nos systèmes provinciaux de santé et comme nous le faisons dans cette province de Neuquén. Et maintenant, je vais vous parler de quelques actions mises en œuvre à partir donc de cet angle conceptuel que je viens de vous décrire. Notre système de santé Neuquén est basé sur une prise en charge particulière dans des hôpitaux qui suivent une même logique, un hôpital en construction particulier dans toute la Patagonie, parce que l'objectif est justement de résoudre au niveau régional les problèmes de santé et éviter d'avoir à transporter des patients à plus de 1000 km de distance. Et cet établissement en construction, dont la première étape a déjà été terminée, plusieurs milliers de mètres carrés, et en total, on aura plus de 40 000 mètres carrés de construction. Ce que je veux vous montrer ici, c'est qu'on a pensé ce bâtiment de façon durable dès la phase de conception pour éviter tout impact négatif sur l'environnement. Donc, depuis le départ, nous avons pensé les choses de cette façon, avec des modalités d'énergie alternative et un design passif qui soit intégré dans l'environnement, qui permet d'utiliser, de réutiliser l'eau, l'électricité, avec un réseau hydrique, une réduction des îlots de chaleur au niveau urbain. Nous avons également travaillé dans la zone de construction. Nous avons deux grands bâtiments principaux qui abritent nos services où travaillent 1200 personnes et nous avons différentes actions pour améliorer l'efficacité énergétique, réduire les émissions de gaz à effet de serre. Nous travaillons également avec le personnel administratif pour créer une prise de conscience sur la préservation de l'environnement, la bonne gestion des ressources de l'eau et la réutilisation des déchets. Autre piste d'action dans ce sens ou dans le même sens pour l'adaptation, c'est lié à l'adaptation de centres de santé durable. C'est une politique de proximité que nous menons et cela, nous le conduisons avec les établissements, les antennes administratives pour la prise en charge des populations nécessiteuses. Et nous offrons de meilleurs services, de meilleures constructions au niveau des communautés, et en particulier les communautés autochtones. Et par exemple, nous avons mis en place des panneaux solaires, senseurs et autres. L'idée, c'est de privilégier la résolution locale des problèmes
et de travailler avec les équipes sanitaires et les équipes communautaires. Outre ces actions d'atténuation et d'adaptation, nous créons également d'autres espaces pour renforcer le niveau institutionnel. Et Neuquén, c'est une des trois provinces argentines qui fait partie d'un projet global en Argentine, coordonné par le ministère de la Santé, le secrétariat des affaires stratégiques rattaché à la présidence, et travaille en même temps avec l'OMS et le Fonds vert pour le climat, qui finance. Et au niveau mondial, c'est la première fois qu'un projet de santé et changement climatique a été financé. Et l'idée, c'est de créer un système sanitaire avec des GES de bas niveau en coordination avec les autres ministères, les experts scientifiques, pour renforcer la capacité institutionnelle et les compétences. Et au niveau du ministère, nous avons également une table ronde sur le changement climatique. Nous travaillons sur différentes thématiques en associant les parties prenantes, abordant toutes ces problématiques, ces thématiques liées au changement climatique. Nous avons aussi l'idée que cette table puisse orienter la préparation de cette stratégie de politique qui prenne en compte les risques sanitaires associés. Au mois de mars de cette année, nous avons organisé un atelier changement climatique et santé au niveau des Amériques avec la participation de l'OPS, l'IAI et une autre organisation internationale. Toutes ces actions s'accompagnent d'un nouveau design de notre marque. Ça veut dire que nous allons regrouper toutes nos actions sous ce nouveau logo pour une meilleure campagne de communication, visibilisation. Autre point qui montre le caractère transversal des actions et de nos politiques, c'est que nous avons donc un département de communication qui est présent dans le débat autour de cette table ronde ministérielle, interministérielle. Donc, nous voulons développer des stratégies de communication bien intégrées au niveau de la province et qui puissent diffuser clairement les actions qui sont menées au niveau du ministère de la Santé. Carolina nous a abordé cette thématique également, ce thème, et qui rend compte de l'importance de la communication. Alors, autre défi qui reste bien sûr en suspens pour ce lien climat-santé, d'abord, comme je le disais au début, avoir la santé au centre de toutes nos actions comme axe pilier principal de toutes nos politiques dans tous les secteurs et dès lors que l'on met en place une politique publique, l'intégrer comme un axe de réflexion essentiel. Le changement climatique se manifeste de façon différenciée selon les territoires, les populations, on l'a vu, on l'a écouté. Et il faut donc travailler au niveau local, créer des territoires et des habitants de ces territoires. Nous devons les aider à développer leur propre plan pour faire face au changement climatique et réduire l'empreinte carbone. Par exemple, en améliorant les achats, l'approvisionnement et avoir des listes de fournisseurs qui soient conformes, qui se conforment aux politiques durables et de préservation de l'environnement et de l'écologie. Ensuite, nous allons continuer à approfondir les actions d'efficacité énergétique
et en particulier au niveau des hôpitaux, des centres de santé de notre province. Au niveau donc de la communication, je l'ai dit déjà, cherchons à simplifier les messages sans toutefois nous écarter de la rigueur scientifique. Nous voulons aussi continuer à nous efforcer pour traduire tous les messages, les visibiliser, toutes nos actions au quotidien auprès du public, des citoyens, pour influer sur le changement des habitudes, des comportements. Et nous voulons également continuer à former le personnel sur toutes ces problématiques en créant des outils, des guides et des manuels. La crise climatique nous interpelle tous et toutes, et donc nous devons tous ensemble mettre notre petit grain de sable et travailler, apporter, contribuer, et cela est bien sûr facilité grâce à une bonne communication. Nous devons toujours informer les personnels soignants sur les risques et continuer à évaluer les politiques, consulter les parties prenantes et à tout moment, au moment de la conception, de la mise en œuvre et ensuite pour évaluer et mesurer les résultats. Donc, c'est une politique qui nous concerne tous dans notre quotidien, au niveau national, au niveau provincial, local. Nous avons l'obligation de changer notre comportement au niveau adaptation, atténuation, pour faciliter la transition et lutter contre le changement climatique et ses effets. Et comme nous l'avons écouté ce matin, la communication est bien sûr un outil clé pour une prise de conscience au niveau individuel auprès de chacun, de chaque habitant, qu'il s'agisse d'un pays ou de la communauté humaine tout entière. Merci de votre attention. Merci, Madame la Ministre, pour cette présentation. Vous faites beaucoup, beaucoup au niveau de votre ministère de la province de Neuquén. J'apprécie énormément l'ensemble des actions, atténuation, adaptation. Vous avez les deux composantes. C'est bien sûr difficile de concilier les deux. Et vous avez beaucoup insisté sur l'importance de ces deux approches. Donc, merci de votre présentation. Je vois que nous allons donc nous approchons de la fin de notre séance et de notre séminaire. Et nous avons quelques-uns de nos experts, de nos représentants, intervenants, tout au long de ce mois qui vient de s'écouler. Nous avons Carlos Barbosa, Cecilia Sorensen. Et pour clore cette séance et cette série de webinaires, je vais repasser la parole à Cecilia. Merci, Peter. Merci, nous avons une excellente séance aujourd'hui. Et en fait, nous arrivons effectivement à la fin. Donc, magnifique cours que nous avons pu partager avec une large communauté de participants. Et donc, je voudrais remercier très particulièrement tous les participants et participantes, tous les intervenants, tous les pays représentés dans les Amériques, en Amérique latine et dans d'autres pays d'Europe, Australie, Sud-Est asiatique, pour leur assiduité à la participation assidue tout au long de ces séances que nous avons eues deux fois par semaine. Je voudrais également remercier, et je ne veux pas vous remercier, mais pardon, je ne veux pas vous interrompre, mais vous ne partagez pas votre écran. Et j'avais une très belle carte à vous montrer et apparemment personne ne l'a vue. Voilà une photo. Voilà, nous la voyons maintenant. Donc, voilà la carte, la map monde qui nous montre tous les pays représentés et les différents collègues de la communauté des personnels sanitaires et soignants. Donc, et merci aussi au conseil d'administration expert des universités, des administrations publiques. Merci de voir participer au succès de ce cours. Et aussi, en particulier, l'équipe de travail, bien sûr,
Anna Stewart, Irene Torres, vous voyez leur nom sur cet écran. Également, les organismes sponsors, l'OPS, l'IAI. Également, notre remerciement aux équipes, à l'équipe des interprètes, Lourdes, Anna, Annie et France. Nous avons pu participer, écouter l'essentiel des messages communiqués grâce à vous. Et comme vous le savez, nous avons maintenant un certificat qui vous est offert à l'issue de ce cours si vous avez participé à plus de 6 séances. Et vous devez, donc sur les 9 séances, vous devez avoir participé au moins 6 et vous avez été enregistré dès le moment que vous vous êtes connecté sur la plateforme Zoom. Et donc, un peu plus tard aujourd'hui, vous aurez un lien et pour répondre au petit questionnaire qui vous sera envoyé par courriel pour recevoir votre certificat. Bien sûr, nous voulons également votre feedback, une rétroaction sur l'ensemble de cette série de cours. Vous avez ici également un code QR que vous pouvez scanner avec votre appareil photo et nous donner vos commentaires sur la manière, sur vos observations, sur le ressenti de ce cours et vos suggestions, bien sûr, si, tout ce que nous pourrions améliorer à l'avenir si nous décidons de réitérer ce type de formule. Et comme je l'ai dit, c'est juste un premier cours pilote pour pouvoir travailler ensemble. Donc, je voudrais vous inviter à vous unir au consortium mondial sur le climat et l'éducation en matière de santé. Ce sont des cours donc, que nous venons de lancer et vous pouvez vous connecter en tant que particulier, en tant que représentant d'une organisation, d'une administration. Et la mission de ce consortium, c'est bien sûr de rassembler un maximum de personnel et praticiens de la santé. Et les mobiliser, s'assurer de leur engagement, de leur compromis, de leur prise de conscience de toutes ces problématiques que nous avons traitées. Et donc, vous avez des personnes autour de vous, n'hésitez pas à leur en parler, à les convier, à les inviter pour avoir encore plus de monde la prochaine fois. Voilà l'ensemble de nos partenaires, ce réseau de partenaires si important pour continuer à travailler. Donc, sur ce, merci encore à notre équipe organisatrice, à nos intervenants, à nos participants et participantes. Bien sûr, j'espère que nous vous retrouverons très bientôt à l'occasion d'une prochaine édition de cette série de